Nous sommes au ministère de l'économie pour une interview sur des questions transversales et relatives au projet d'adoption de l'ouverture du capital de Djibouti Telecom. Le ministre avec nous aujourd'hui va essayer de nous éclairer sur ces questions-là afin que le public puisse comprendre de fond en comble, de manière transparente, toutes ces questions qu'il est en train de se poser. Monsieur le ministre des Finances, merci de nous avoir accordé cette interview aujourd'hui. Sans plus tarder, lors du dernier Conseil des ministres, vous avez adopté un projet de loi relatif aux modalités et aux conditions de l'entrée dans le capital des entreprises publiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question ? Effectivement, lors de la dernière session en Conseil des ministres, nous avons procédé à l'examen et à l'adoption d'un projet de loi portant sur les modalités des cessions des actifs des entreprises dont l'État est propriétaire. De façon historique et très brièvement, je voulais vous faire savoir au passage que la loi sur la cession ou la privatisation, comme on l'appelait auparavant, avait existé, créée depuis plus de 20 ans. Donc il y a eu deux textes qui régissaient donc pour ce qui concerne la participation du secteur privé dans les entreprises publiques. Ces lois étaient, ou ces textes étaient appliqués ou appliqués de façon séquentielle en fonction des opportunités qui se présentaient à la République de Djibouti. Mais les textes étaient malheureusement désuets et ces textes correspondaient à un contexte donné il y a plus de 20 ans. Je parle il y a plus de 25 ans même. Le principe de présenter un nouveau texte sur la cession, départ, en tout cas sur les modalités, s'imposait parce que la taille de notre économie, la taille des entreprises publiques ont beaucoup évolué, mais également le monde a évolué avec plusieurs impératifs. Et comme vous le savez, nous avons vécu une expérience douloureuse en termes de participation du secteur privé dans des secteurs stratégiques. Je parle en l'occurrence sur la question des ports. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons été abusés parce que nos textes n'étaient pas complets et les intérêts stratégiques de Djibouti n'étaient pas suffisamment, en tout cas, protégés par les anciens textes. D'où cette restructuration et ces nouveaux textes dans l'objectif principalement, ou en tout cas l'idée principale consiste non seulement à organiser nos entreprises publiques dans leur processus, donc pour accueillir le secteur privé, mais surtout de protéger les intérêts nationaux sur des secteurs hautement stratégiques. Mais en plus de cela, la compétition dans ces différents secteurs dont certaines entreprises publiques évoluent est en train d'augmenter. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la logistique, mais c'est également dans beaucoup d'autres domaines. Je parle en particulier sur un sujet qu'on va certainement évoquer dans le secteur des télécoms. Djibouti, au jour d'aujourd'hui, est le pays ou le dernier pays à faire ce pas. Il y a encore quelques mois, c'était l'Éthiopie et Djibouti.
Donc, c'est un secteur qui est extrêmement dynamique. C'est un secteur qui représente un intérêt majeur pour l'économie de demain, dans la transformation de notre économie vers le digital, vers le numérique. Il nous fallait également passer par ces passages obligés. Voilà l'intérêt d'une loi améliorant les intérêts de la République de Djibouti, mais également de permettre certains secteurs qui sont susceptibles de participer, qui participent déjà et qui subissent des compétitions de plus en plus rudes, à ce que la République de Djibouti soit également en phase par rapport à la pratique internationale. Nous pensons qu'avec ce texte, nous aurons quand même, nous garderons l'intérêt de Djibouti d'abord comme un élément cardinal dont l'État va rester majoritaire dans quel que soit le contexte. Mais surtout, c'est de permettre une plus grande compétition qui doit venir en interne comme au niveau régional et international. Donc, le monde a évolué. Nous avons besoin de faire évoluer nos textes, mais surtout de faire évoluer également la qualité et la performance de nos entreprises publiques, y compris sur le coût. Voilà le tenant et aboutissant donc de ce texte qui est passé récemment en Conseil des ministres. Lors de ce même Conseil des ministres, la présidence de la République a publié un communiqué portant sur l'ouverture du capital, comme vous l'avez évoqué, de Djibouti Télécom. Est-ce que cela veut dire que cette loi ne concerne que Djibouti Télécom ou cela s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large de la modernisation des entreprises publiques avec la question de la bonne gouvernance des entreprises publiques au cœur du débat? Oui, ça dépasse le cadre de Djibouti Télécom. C'est le principe qui est posé ici à travers cette loi. Et pour votre mémoire, le secteur de l'énergie a également fait l'objet d'une ouverture vers le secteur privé. Il n'y a plus de monopole de l'électricité de Djibouti pour la production de l'énergie. Il y a eu des textes qui sont passés et ces textes à travers le partenariat public-privé ou ce qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon « independent power producers », nous avons des acteurs extérieurs qui arrivent pour faire la production. Ceci étant dit, l'électricité de Djibouti dispose toujours de son rôle unique en termes de distribution. Donc, c'est une évolution vers beaucoup d'autres entreprises. En tout cas, c'est pour mettre la base juridique institutionnelle pour que, à chaque fois que nécessaire, les entreprises qui feront l'objet de compétition, ou en tout cas qui seront dans un secteur considéré plutôt un secteur compétitif à caractère commercial, cette loi va pouvoir s'appliquer. Je ne peux pas prédire maintenant quelles seraient les autres entreprises, mais il y aura effectivement d'autres entreprises qui vont être concernées. À ce stade-là, nous souhaitons voir le secteur de télécom évoluer rapidement, d'où la déclaration et donc le communiqué de presse de la décision du chef de l'État et du gouvernement à vouloir ouvrir le capital de Djibouti Télécom pour le secteur privé. Mais il n'y a pas eu que ça durant ces derniers conseils de ministres. Il y a eu également la nomination d'un directeur général de l'autorité de régulation. Et cette autorité de régulation concerne plusieurs secteurs. Certains pays ont une autorité de régulation pour le secteur de télécommunications,
ont une autorité de régulation pour l'énergie, c'est-à-dire l'électricité et tout ce qui vient avec, à une autorité de régulation pour les marchés publics, pour le secteur de l'eau. Donc, pour Djibouti, il y a un an de cela, nous avons fait le choix d'une autorité de régulation multisectorielle, en particulier sur le secteur des télécoms et de l'énergie. Donc, cette autorité vient compléter également l'arsenal juridique institutionnel dans cette quête vers une plus grande compétitivité de ce secteur. Donc, la loi organisant l'autorité est passée déjà il y a à peu près un an et demi. Le directeur est nommé. Et bientôt, le conseil d'administration, de surveillance de l'autorité, va également être installé. Donc, c'est un processus stratégique qui continue. Lance-toi maintenant. Pourquoi pas avant? Pourquoi aujourd'hui? Intrinsèquement, je dois vous avouer que le président de la République a toujours été, à vrai dire, conservateur sur la question de l'ouverture du capital des entreprises publiques vers l'extérieur. Il y avait une démarche qui consistait à privilégier la consolidation de la gestion et de la performance en interne. Mais on sait que aussi il y a un changement de paradigme au niveau international, au niveau mondial, et dans certains secteurs, et en particulier dans le secteur de télécommunications. Pourquoi aujourd'hui? Parce que on voit de plus en plus d'opérateurs s'installer dans la corne de l'Afrique, plus généralement en Afrique. Et donc, observant tous ces opérateurs qui sont en train de s'installer, avec leurs propres avantages compétitifs, mais également avec tous les potentiels que cela représente, il y a également par ailleurs quelques risques de compétition qui risquent de se présenter sur notre chemin. Le phénomène de télécommunication est encore beaucoup plus important que celui dont nous pensons quand nous réfléchissons au secteur portuaire. Donc, nous ne pouvons pas ne pas aller vers le même mouvement. Je vous disais au début que il y a une ouverture au niveau international. L'Éthiopie et Djibouti étaient le seul pays qui restait encore dans cette situation monopolistique dans le secteur des télécommunications. L'Éthiopie a fait les pas et étant donné de la position de Djibouti et donc du partenariat avec l'Éthiopie, on ne pouvait que aller en phase avec notre principal partenaire. Il ne faut pas oublier que tout autant que le secteur portuaire et de la logistique, l'Éthiopie est notre principal client en termes de télécommunications et également sur le trafic international. Donc, ce n'est plus seulement entre États que les discussions et les dialogues ou les négociations vont se faire. Ce sera également entre grands opérateurs dans le secteur des télécoms qui, eux-mêmes, ces opérateurs de télécommunications, ont des partenaires stratégiques respectifs dans leur capitale. L'Éthiopie a fait une ouverture de son opérateur jusqu'à concurrence de 40%. C'est-à-dire que ce n'est plus Ethiopian Telecommunications seulement avec qui nous allons avoir un dialogue, mais c'est avec son partenaire stratégique à concurrence de 40%. Donc, pour nous aussi, ça faisait sens d'aller vers cette libéralisation. Mais l'autre sujet encore plus important, c'est les opportunités que le secteur de télécommunications offre
au développement d'une nouvelle économie, de cette économie digitale, de cette économie numérique. Le futur des emplois dans le monde se créeront avec les bonnes infrastructures de télécommunication. Et donc, le futur de notre économie étant orienté vers le digital, vers le numérique, le principal pilier donc, de cette économie numérique, c'est les infrastructures de télécommunication et donc la performance du secteur de télécommunication. Quand nous parlons de milliers d'emplois en termes d'opportunités. Direct et indirect. Direct et indirect. Donc, naturellement, ce secteur ne peut produire tout son potentiel que seulement si nous avons donc ce type de développement et de transformation, y compris à avoir le secteur privé avec nous. Lance, on vient de voir que Djibouti est en train de préparer, comme vous l'avez dit, son futur pour sa jeune génération. Est-ce qu'il y a des grandes réformes que le gouvernement compte mettre en œuvre pour la transformation du numérique? Déjà, le processus avait commencé depuis plusieurs années, mais de façon beaucoup plus marquée. Récemment, le président de la République, à travers la restructuration de son gouvernement, et donc à travers le dernier remaniement, il y a un ministère dédié à la transformation numérique, c'est-à-dire à l'économie digitale, mais également à l'innovation. L'écosystème était en train de se structurer, de s'organiser. Je parle de différentes initiatives qui ont été lancées. Au niveau de l'université de Djibouti, il y a des centres qui vont dans ce sens-là. Nous avons par ailleurs l'écosystème qui commençait à s'organiser. Je parle de tout ce qui est digital money qui est en train de prendre forme. Nous avons également tout l'écosystème de l'entrepreneuriat et donc du développement des nouvelles technologies à travers les initiatives du ministère de télécommunications, mais également de la création de centres clés qui contribuent. Nous savons aussi que sur le plan bancaire et financier, nous avons non seulement, et nous allons continuer d'ailleurs de façon beaucoup plus marquée sur les mois et les années à venir, sur la transformation du secteur bancaire pour que nous puissions créer les conditions d'inclusion financière. Et c'est le digital qui va accélérer ces phénomènes. Nous avons également un système qui est installé depuis cette semaine, opérationnel, sur la modernisation du système de paiement. Ça veut dire de mieux organiser la place financière pour que les transactions puissent se faire de façon digitale. La création de l'Agence nationale du système d'information de l'État, ANSSI, avec tout le travail de cybersécurité, mais également de la protection des données et des personnes. Donc, c'est un mouvement d'ensemble, au même titre que n'importe quel autre pays qui souhaite se développer et accélérer les tendances, qui font qu'on est obligé de passer par là, et donc de préparer l'économie de demain. Bientôt, nous pensons avoir également toute une stratégie nationale de développement du digital avec ce nouveau ministère, mais surtout de préparer les ressources humaines, ce qu'on appelle les skills en anglais, pour permettre que les nouvelles générations soient vraiment en phase par rapport aux impératifs de transformation sur le plan international. Il va falloir former, on a commencé à former des jeunes filles, des jeunes femmes dans le domaine de e-commerce. On a plusieurs initiatives au centre clé pour cela. Nous allons continuer à former plusieurs milliers de jeunes dans tout ce qui est l'économie moderne, les e-commerce, mais également les former sur l'intelligence artificielle, les former sur le big data.
On a une promotion actuellement à l'université, dans le cursus universitaire de une data scientist. Tout ça, c'est une stratégie nationale qui est en train de prendre forme. Et tout cela repose sur un pilier majeur, une télécommunication de qualité, des infrastructures de télécommunication de qualité, l'abondance de données, d'un volume de données, en tout cas des capacités en termes de télécommunication. Et pour cela, il y a eu plusieurs investissements aussi. La fibre optique, récemment, Djibouti Télécom, la République de Djibouti, a initié un projet qui s'appelait DER, qui va jusqu'au Kenya. Donc, c'est je pense, cette cohérence d'ensemble et donc ce futur que nous souhaitons vraiment accélérer. Je disais que beaucoup d'initiatives sont en train d'arriver et Djibouti Télécom a un rôle majeur à jouer. In fine, Djibouti Télécom ne sera pas seul sur le marché, sur les années à venir. Djibouti Télécom va et doit avoir un compétiteur sur le marché dans le futur à venir. Parce que c'est seulement quand on aura donc cette compétition en interne que beaucoup de choses vont également s'accélérer. Mais nous ne pouvons pas, tout azimut, dire qu'on va ouvrir le capital de Djibouti Télécom et parallèlement ouvrir la compétition avec d'autres opérateurs autres que Djibouti Télécom, comme l'Éthiopie est en train de faire. Nous ne pouvons pas nous permettre, le marché est encore trop petit pour Djibouti. Mais les mêmes résultats doivent être parvenus, c'est-à-dire meilleure qualité, meilleure disponibilité et surtout meilleure tarification. Je ne suis pas en train de dire ici que Djibouti Télécom ne s'efforce pas, ne fait pas l'effort nécessaire. On a vu l'effort qui a été consenti par Djibouti Télécom en termes de tarification. Mais on sait aussi que les citoyens, parce qu'on est avec eux, ont encore besoin de beaucoup plus de qualité, ont besoin de beaucoup plus de compétitivité en termes de tarifs, mais également en termes d'options. Les banques de la place offrent des opportunités dans le paiement. Donc, voilà un peu tout le potentiel qui reste pour Djibouti. Et on doit faire beaucoup plus, beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Maintenant, Excellence, parlons volet social. Concernant les mesures d'accompagnement à la relance des activités des TPME qui ont été touchées par le Covid et comment est-ce que les mesures d'accompagnement qui ont été faites par le comité qui a été créé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question? Oui, ça c'est une initiative naturellement donc, du gouvernement et en particulier donc, sous le leadership du chef de l'État. Il y a eu beaucoup de mobilisation après cette crise. Cette crise, elle est toujours là malheureusement. Et il se trouve que nous avons fait face à un phénomène qui était inattendu. Et à un moment donné, dans mes différentes interventions ou dans mes écrits, j'ai souvent répété cette crise a remis et continue à remettre en cause 20 ans de développement, 20 ans de transformation pour Djibouti, peut-être un peu plus même. Et c'est exactement la même chose pour d'autres pays en train de remettre en cause tous les efforts consentis pour réussir le développement, la transformation, l'amélioration des conditions de vie et la compétitivité d'un pays et d'une économie. Donc, il fallait, dans un premier temps, apporter une réponse urgente au risque immédiat. Ce n'était pas seulement sur la santé, on pense avoir réussi sur, en tout cas, la mitigation
des conséquences sanitaires. On s'en est bien sorti, alhamdoulilah, même si la deuxième vague nous a fait un peu plus mal. Et nous sommes en train de continuer à vraiment élaborer tous les efforts, en toutes les stratégies nécessaires et consentir les efforts nécessaires. Mais l'impact qui était beaucoup plus profond, c'est celui social et économique. Il fallait apporter une réponse également. Les premières réponses ont été apportées, je ne vais pas revenir sur le détail. Pendant que les citoyens lambda étaient soutenus, les entreprises, en particulier les petites entreprises, ont été frappées de plein fouet. Et donc, il fallait apporter une réponse également, d'où l'intérêt de développer ce fonds de soutien et de solidarité pour les très petites et moyennes entreprises. Je peux vous dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, en 3 mois, à peu près 1200 micro, très petites et petites entreprises ont bénéficié. Notre objectif, c'est d'avoir beaucoup plus de monde bénéficier, mais les ressources que nous disposons au niveau du gouvernement, y compris donc avec l'appui de certains partenaires, nous a permis au jour d'aujourd'hui de dégager jusqu'à 500 millions de francs djibouti. Notre objectif, c'est d'arriver jusqu'à 1 milliard de francs djibouti. Mais nous nous contentons d'abord de ce que nous avons au jour d'aujourd'hui, sous notre, en tout cas, contrôle. Nous avons pu secourir de façon équitable, y compris sur le plan spatial, depuis Obok jusqu'à Dikil, en passant par Arta, Djiboutiville et Al-Sidi. Nous avons privilégié des très petites entreprises qui disposaient d'une certaine forme de reconnaissance et d'organisation. D'abord, qui se forçait, ces gens-là qui disposent de ces micro-entreprises ou de ces très petites entreprises, de comptes à la caisse CEPEC, la caisse d'épargne. Le privilège et la priorité étaient donnés à ceux-là, parce qu'ils sont formalisés, sont en train de faire leur vie, de vivre de leur petit commerce, et surtout, ils ont un compte pour épargner quand c'est possible. Et donc, nous avons fait des virements directs pour le compte de ces micro-entreprises, de ces très petites entreprises. Il y a un comité qui travaille dessus, et ce comité, il a l'appui également de certaines institutions qui évoluent dans ces secteurs, notamment une ADDS, pour ce qui concerne en tout cas, pour le compte CEPEC et autres. Et donc, sur des critères clairs, définis, les personnes bénéficiaires, les très petites entreprises qui bénéficient donc de ce soutien, ont été sélectionnées au niveau de ADDS, qui connaissent mieux que quiconque ce travail, et les virements ont été faits. Si ma mémoire est bonne, c'est seulement la partie de Tadjoura et Dikil qui n'a pas encore individuellement récupéré, parce que le délai de transfert vers le CEPEC de Tadjoura et Obok était un peu plus long. Cette semaine, ça a été fait et donc ils vont directement bénéficier. On ne s'est pas limité seulement à toutes ces micro-entreprises ou très petites entreprises qui ont des comptes au CEPEC. On a également été vers d'autres opérateurs individuels, notamment sur les bajaj qui étaient très populaires. Et on les a invités, on leur avait demandé de sélectionner ceux qui sont les plus affectés et ceux qui sont les plus démunis, qui ont également certains types de critères définis. Ils ont été sages, ils ont établi cette liste, et
l'appui leur a été également octroyé. On pense que quelques personnes, ou en tout cas quelques individus répondant à ces critères omis, ont également été additionnés. Je pense qu'ils sont de l'ordre de 6 ou de 10, si ma mémoire est bonne. Ceux-là vont également pouvoir bénéficier. Enfin, nous avons également le secteur informel. On avait dit Bagheleida, hein, la femme, la vendeuse de beignets devant l'école. Il y a des gens un peu de ce type de catégorie qui également sont quasiment tous dans le secteur informel. Il fallait les aider également. Et pour cela, on a associé l'UNFD qui a une meilleure connaissance du terrain, mais également on a utilisé la société civile pour nous aider à identifier ces différents acteurs ou micro-entreprises formelles ou informelles. Cette liste est en train d'être également établie et ils vont pouvoir bénéficier des mêmes soutiens. Peut-être moi, pas les mêmes, des mêmes montants par rapport aux autres petites entreprises, parce que c'est un peu différent, et puis surtout ils sont informels. Et ce qu'on est en train d'exiger, c'est une opportunité pour nous de leur demander d'avoir de bénéficier de la bancarisation. Donc notre objectif derrière aussi, c'est de pouvoir mapper ou photographier le secteur informel, ou en tout cas certains d'entre eux, pour les aider, à mieux les aider plus tard, pour mieux les organiser, et surtout à pouvoir vraiment leur apprendre à utiliser les instruments modernes, et notamment donc l'utilisation du CEPEC, demain sur le paiement digital. Et donc c'est tout ce processus qui est en train d'être réalisé. On est très satisfait. Nous pensons arriver au moins jusqu'à 2500, notre objectif final étant 5000, mais il dépendra aussi des moyens qui seront entre nos mains. Si l'État a pu faire jusqu'à aujourd'hui autant d'efforts, l'État ne peut pas tout seul le faire, donc nous espérons avoir un soutien de la part de nos différents partenaires pour que nous puissions augmenter le volume. On en est satisfait de cette opération, c'est en cours, et donc, Inch'Allah, on va pouvoir en tout cas évaluer l'impact sur le... Sur les périodes à venir. Excellence, votre ministère a en charge la question de l'entrepreneuriat. Pouvez-vous nous en parler des actions gouvernementales pour améliorer l'écosystème? Par exemple, le fait qu'une PME ou une TPME, comme l'avait dit Hicham lors de son discours, nous, petites PME, on est taxés au même niveau que les grandes entreprises. Vous avez dit dans votre discours aussi, en guise de réponse, que le mot start-up, ces nouveaux mots qui sont apparus avec l'évolution, n'ont pas de définition dans notre fiscalité. Effectivement, c'est notre souhait. On sait que tous les Djiboutiens ne peuvent pas avoir des emplois dans le secteur public. Et c'est partout la même chose. Donc le secteur privé doit jouer le rôle essentiel pour la création d'emplois dans le futur. Mais le secteur privé a besoin lui-même d'être appuyé. Le secteur privé a besoin d'une meilleure compréhension de l'État. Le secteur privé a besoin d'une restructuration à travers une organisation par filière, pour que nous puissions avoir des dialogues constructifs avec. Et le secteur privé a besoin des réformes de la part de l'État pour qu'il puisse prendre le relais en termes d'emploi, de création d'emplois et de richesses.
Donc, pendant ce temps, le monde est en train de bouger à une vitesse extraordinaire. Il est très difficile de rester sur des textes qui ont été créés, y compris sur la fiscalité, de l'époque coloniale, qui peut-être à l'époque correspondait aux exigences de l'époque, mais qui ne sont plus d'actualité. Le ministère du Budget a fait beaucoup d'efforts en intégrant des nouveaux métiers apparus depuis à travers les différentes lois de finances. Mais l'effort à consentir maintenant davantage va porter sur l'identification de tous ces petits métiers. Quand je dis tous ces petits métiers, ce sont des métiers, ça peut être à titre individuel ou des très petites entreprises, et qui ont besoin d'un modèle fiscal approprié pour ne pas être pénalisés et avoir la possibilité de s'élever. Parce que chaque grande entreprise a commencé comme un bébé, hein, on commence par faire un pas. Hein, on tombe et on se relève et on fait un deuxième pas. Je pense que c'est essentiel pour que les jeunes entrepreneurs, la fiscalité accommode ces jeunes entrepreneurs et réfléchir de façon agile, flexible, intelligente pour accompagner ces jeunes entrepreneurs et qui viennent de plus en plus nombreux avec leurs propres initiatives qui n'attendent pas l'État. Seulement, l'État doit être présent par tout temps et un peu partout pour qu'il puisse accompagner. Donc, cette fiscalité et sa réforme fait partie des priorités du président de la République pour que les jeunes puissent être... On est en train de travailler avec des jeunes entrepreneurs sur ce qu'on appelle le Startup Act, sur la façon d'organiser en termes y compris davantage. Récemment, on avait passé des textes qui annulaient les patentes pour les jeunes entrepreneurs. En partie valable, il va falloir maintenant évaluer quel était le résultat de cette politique publique. Mais on a beaucoup, beaucoup d'autres efforts à faire. On en est très conscient. Et les jeunes Hicham ou n'importe quel autre jeune Djiboutien, entrepreneur, start-up, est en droit d'attendre de nous de la flexibilité, de l'écoute, mais surtout de l'action pour leur permettre d'évoluer. Dans le programme du président de la République, je pense que vous avez également noté que certains appels d'offres jusqu'à concurrence de certains montants seront spécifiquement réservés aux petites entreprises, aux TPME et PME. Nous sommes en train de développer un parc de très petites et une petite entreprise à côté du centre-clé. On est en train de construire, on va commencer bientôt la construction d'un atelier pour permettre à ces jeunes d'avoir la main sur certains types de métiers. La poterie, par exemple, là-bas, vous avez quelques poteries faites au CERF. C'est un marché colossal sur le plan international. Nous avons fait venir un expert du Jamaïque pour former des formateurs sur la poterie. Bientôt, vous allez voir les miracles que tous ces jeunes-là qui sont au jour d'aujourd'hui formés pour ensuite à leur tour former. Donc, il y a des opportunités partout. Nous pensons qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais dans le secteur privé, dans l'initiative privée. Et on est conscient qu'on doit faire beaucoup sur différentes choses à la fois et de façon très rapide. Moi, mon message, il est destiné principalement à la jeunesse. Mais d'abord, à tous les Djiboutiens, mon message est le suivant. Il y a
un effort qui est fait par le président. Il y a une équipe autour du président. Et s'il y a un objectif, c'est de permettre l'épanouissement de tous les Djiboutiens. Nous mettons beaucoup de temps à nous soucier et à réfléchir autour de la question de l'emploi, à faire en sorte à ce que notre pays puisse offrir les meilleures opportunités aux siens. C'est de comprendre que nous avons besoin de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, de discuter ensemble. Et c'est notre mission à écouter tous les Djiboutiens. Pour réussir donc à relever tous les défis que Djibouti fait face, on a besoin d'être comme un seul homme. Et cette être comme un seul homme, ça veut dire, dans un premier temps, travailler sur notre unité nationale et sur la stabilité de notre pays au moment où le contexte régional et international est on le voit extrêmement fragile. Mais mon message surtout à la jeunesse, c'est de leur dire il faut garder espoir et avoir confiance en l'avenir de notre pays. On est en train de parler de développement digital. On sait les soucis de la jeunesse. Mais on sait aussi que nous sommes sur le bon chemin, que le résultat ne viendra pas en un clin d'œil. Si nous bénéficions aujourd'hui de toutes ces technologies et que nous souhaitons encore offrir davantage, ces mêmes avantages qu'on essaie d'offrir et ces privilèges de la technologie par rapport à tout ce que la technologie aujourd'hui est en train de nous offrir, cette même technologie peut nous détruire. Et je parle alors. Est-ce que nous utilisons correctement cette nouvelle technologie ou est-ce que nous utilisons ou on veut que, en tout cas certains souhaitent utiliser cette technologie pour tout le contraire que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire construire une nation solide qui soit en mesure de sortir de cette compétition solide et pouvoir offrir donc à nos concitoyens tout le bien-être dont n'importe qui souhaiterait avoir. Mais entre-temps, c'est de faire en sorte à ce que nous assurions que cette technologie ne nous détruise pas. Parce que cette technologie est en train de détruire d'autres pays. À nous de prendre conscience de ça. Nous sommes arrivés au terme de cette interview qui a porté sur plusieurs questions, la question de l'ouverture du capital, mais aussi des questions sur l'entrepreneuriat, sur une meilleure modernisation de la fiscalité. Merci de nous avoir suivis.